Eh bien, salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Minecraft PlayStation 4 Edition. Alors aujourd'hui, on va tester le pack Skyrim dans mon monde. J'avais testé juste la démo, donc c'était un monde déjà fabriqué, mais j'avais pas essayé le pack chez moi. Donc déjà au niveau des briques, c'est assez sympa. Le bois, par contre, au sol est un peu sombre. Les portes sont vachement opaques, on voit rien du tout à travers. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, les PNJ étaient vachement stylés, hein, de mémoire. On a même un bébé orc. Non, c'est encore un bébé PNJ. Alors, les orcs, c'est quoi comme... C'est des forgerons. Ok. Ok, ok. Hop, hop, hop. Alors, comme d'habitude, hein, j'enregistre cet épisode en live. Donc, bonjour à tous ceux qui sont sur le live. Niveau PNJ, c'est quoi, ça? Un prêtre? Toi, t'es quoi? Un boucher. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a trois triplés là. Bibliothécaire, ok. Alors du coup, niveau PNJ, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je crois. Attendez, il y en a un qui vient de remonter. Donc je crois qu'à partir de 10 PNJ, les golems pop naturellement. Hein. Donc j'ai peut-être atteint mon objectif là-dessus. Faut que j'arrive à les compter clairement. 1, 2... 3, 4. Mais ils arrêtent pas de bouger là, il y en a même un qui sprint. Putain, calmez-vous les PNJ là. Bon, bref, on comptera plus tard. Faudra que j'essaye à la limite de tuer le golem que j'ai créé moi-même. Et voir s'il y en a un nouveau qui pop. Donc le but c'est de récupérer du fer sans aller miner. Ah là là. Bon, on va faire un petit tour de la propriété. Alors les citrouilles, ouais, c'est un peu banal. L'œuf de l'Ender. Ah, ça aurait été rigolo de voir l'Ender Dragon avec le pack Skyrim. Vu que le jeu Skyrim tourne autour des dragons. Peut-être qu'il aurait été stylé. Le lit, ouais. On dirait qu'il y a une espèce de peau de bête, là. Après, les barreaux en fer. Enfin, je crois que c'est des barreaux en fer, ça. Je sais pas, c'est jaune. C'est un peu bizarre. Hop. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a de nouvelles musiques, hein. Ça, c'est pas mal. Ah. Même niveau armure, c'est assez stylé, non? Bon, on voit pas trop ce que ça représente, mais ça change un petit peu. Je trouve ça plutôt pas mal. Hein. C'est assez classique, mais au moins ça change. Après, c'est un petit peu terne hein, au niveau des couleurs. Sauf les citrouilles qui sont bien rouges. Les chevaux. Oula, ils sont petits, les chevaux. Surtout l'âne. Il est bien petit. Attendez, hop. On va le voir de plus près. Ouais, il me semble qu'ils sont plus grands d'habitude. Hein. En selle. Hop. Bon, je me suis toujours pas servi de mon cheval. Hein. Hop, on va descendre. Mais au moins, j'en ai à portée de main, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'eau. Je crois que c'est assez basique. Oh non, mais si, c'est stylé. Hein. C'est un effet un petit peu plus réaliste que d'habitude. Alors il finit, on va aller voir les monstres rapidement. Hop, alors on me dit l'armure est classe, en fer, ouais. Ah ouais, j'aime bien. Quoique non, mais là je suis en diamant, là. D'accord, j'avais oublié. Là je suis en diamant, je me balade en diamant. Du coup... Alors attendez. Le diamant, je le garde pour le Nether. Et pour le boss... Le Wither. Donc on va pas l'utiliser sur les mobs de base. On va se mettre en fer, on va voir ce que ça donne d'ailleurs. Ah! Je crois qu'elle est très très stylée, ce que j'ai vu. Me plaît bien. Botte en fer, alors attendez. Ce qu'il y a, c'est que l'enchantement camoufle pas mal l'armure en fait. Alors tout ça, on enlève. Diamant, diamant, on met de côté. Ça c'est quoi? Une épée en pierre. On n'en veut pas. L'épée en diamant, je vais la garder. Hein. Hop. Ah oui, l'armure en fer est bien stylée quand même. Mais du coup, elle ne brille pas quand je me regarde. Ah si, un petit peu. Mais ça se voit pas des masses, ok. Bon. Non, chut, arrêtez. Voilà, vue normale. On va aller voir les monstres un petit peu. Hop. J'ai pas regardé les animaux. Ouais bon, on verra ça tout à l'heure, au retour. Mais ça a l'air assez basique.
Enfin voilà, c'est basique mais stylé. Donc je ne crains pas du tout. On va aller voir un petit peu ce que ça donne du côté des bestioles. Et puis bah comme d'hab... Oula, les creepers sont chelous par contre. Hein. Il est pas vert du tout. Même le zombie. Ah, j'aime bien les zombies. Ça fait stylé. Par contre, les creepers, c'est un peu bizarre parce que du coup, on les repère pas immédiatement. Ouais. Surtout là, au milieu du sable, ils ont un peu la même couleur. Ça, c'est pas top. Hein. Toi, t'es quoi, toi? Un zombie encore? Aïe. Ouais, y a trop de creepers, là. Ouh, on dégage. D'ailleurs, faudra que je me fasse un enchantement avant de repartir dans le Nether. Après, je sais pas ce que je vais enchanter. Est-ce que j'essaye de me faire un nouvel arc ou une pioche? Je sais pas. Vous cassez-vous. Araignée, araignée. Ah, les araignées sont bizarres. Elles ont un petit corps. Dégagez! Cassez-vous. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, la chair putréfiée. Super. Hop. Alors, on me demande dans le live si ma connexion va. A priori, oui, c'est revenu. Alors, normalement, j'avais prévu de faire le live à 18h. Mais quand je suis rentré à 17h... Attends, ça a marché ça? D'accord. Et ben j'avais plus de connexion et ça a duré jusqu'à... Ouais, 19h30. Hein. Qui m'agresse dans le dos, là? Tu vas te calmer, toi. Voilà, battez-vous entre vous. Hop. Donc, je crois que j'avais... Enfin, j'ai appelé l'outline. Et ils m'ont dit que l'incident était connu depuis 15h30. Donc, ouais, ils ont mis 4 heures à tout réparer. Mais c'est assez embêtant, hein, parce que j'avais plus de télé, plus de téléphone, plus d'internet... J'aime pas du tout me retrouver sans connexion. Hop, j'ai l'impression de pouvoir rien faire en fait. Parce que même pour regarder la télé, hein, je reçois pas la TNT classiquement, on va dire, par antenne. Je reçois tout par la connexion, quoi. Mais bon, là ça va, tout est revenu à la normale. Hop, oh, on a un Enderman. Attends, dégage-toi, dégage. Purée, je tape à côté, tout va bien. Hop, Enderman. Ah ouais, bon, il est un peu bizarre. Il est habillé, hein, on dirait. Hop, dégage toi. Laisse-moi tranquille avec l'Enderman. Ouais, il a une armure sur lui. Hein. Ouh, je l'ai énervé. Vas-y, viens, viens, viens. Non, viens, te téléporte pas. T'es où, Enderman? Il s'est barré? Il fait pas encore jour, hein. Ou alors il me fait une blague. Ils aiment bien attendre avant de nous attaquer, là. Ils aiment bien attaquer en fourbe. Bah du coup, on a tout vu, sauf les zombies PNJ et les sorcières. Bon, après, les sorcières, si je peux les voir de très très loin, ça me dérange pas. C'est assez pénible. Avec leurs potions, là. Ou alors faut prendre du lait. Mais je n'en ai pas pris. Bon bah le PNJ. L'Enderman s'est barré. Quoi depuis le 5 septembre? Oula, attendez. J'ai loupé une partie de la conversation, je crois. Tu peux aller dans le Nether pour nous montrer STP. Oui, oui, j'y vais. Hein. Oups, c'est prévu. Je vais aller chasser du Wither squelette pour récupérer le troisième crâne pour invoquer le boss. Donc c'est prévu. Ça fait longtemps que ça a commencé. Ah, 10 minutes. D'accord, il y en a qui a fait une blague depuis le 5 septembre. Ok. Bon. Les vaches. Ouais, c'est basique. Oula, les moutons, par contre... ils sont bizarres. Je les ai pas tondus, hein. C'est... Ouais. On dirait qu'ils ont des poils que sur le dos. C'est un peu particulier. Et les cochons. Les cochons, ça fait un peu facochère, plutôt. D'ailleurs, niveau bouffe, je suis un peu limite. Je pense que je vais prendre le temps... De me faire quelques cochons, les vaches, on les fera plus tard. Hop, canne à sucre, ça me servira pour faire des échanges avec le PNJ. Hop. Et bien sûr, j'ai tout embarqué. Hop, tu me remets une canne à sucre ici. Tac, on va replanter quelques carottes, on va nourrir les cochons. Et après, on va partir. Hop, hop, hop. Ah, pause! Merci. Hop, des carottes. Est-ce que j'en ai assez pour tout le monde? Faites-moi plein de bébés. Des bébés, des bébés.
Il me reste 7 carottes. C'est pas un nombre pair, là. J'étais à 16. 6. C'est bon? Tout le monde a fait un bébé? On va dire que oui. Allez, on va tuer quelques cochons. Hop. Faut que je refasse mon stock de bouffe. Hein. J'ai pas mal pioché dedans. Hop. Allez, on va mettre tout ça au four. Ça, on va le jeter, là. J'en veux pas de votre viande de zombie. J'espère qu'elle va disparaître. Hop. Tac. Alors, on va faire un petit peu de bouffe. Le fer, on récupère. Tac. Non, ça, c'est cuit. Hop, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être prendre un peu plus de viande pour partir. Je vais prendre des patates. Tiens, on va changer. Patates cuites, elles sont où? C'est cuit, ça? Oui, on va prendre des patates. Ça, on range. Ah, quoique du porc, j'en avais pas mal aussi. Bon, ça va, j'ai encore de quoi manger, hein, y a pas de souci. Hop, hop, on va aller ranger les lingots de fer. Qu'est-ce que c'est que ça? Du bois. Pff, ouais, on l'emmène quand même. Ah, j'ai récupéré un arc. Bon. J'aurais bien voulu être niveau 30, mais c'est pas grave, on va faire un enchant niveau 29. Mais alors sur quoi? Sur une pioche en fer, c'est un peu dommage. Hein. J'ai plus de diamants, je crois. Et ouais. Ou alors j'essaie d'enchanter un bouquin. C'est ce qu'on va faire. Donc un bouquin, il me faut. La canne à sucre. Pour faire du papier. Mais alors attendez, ouais, avec ce pack, j'ai un petit peu de mal quand même à repérer tout de suite ce que je cherche. La canne à sucre, j'en ai posé. Ah, elle est là, 54. Donc on va se faire un petit bouquin. Bouquin. C'est ça. Papier. Livre. Hop. On va croiser les doigts pour avoir un bel enchantement. Sur ton arc. Mais j'ai déjà un arc que j'avais fait niveau 30. Puissance 4, repoussoir 2, flamme 1. Je trouve ça pas mal. Bon, il n'y a pas infinité. Mais du coup, ouais, j'hésite. Je refais un arc ou... Non, je vais essayer le bouquin, on verra ce que ça donne. Ouh, les petits chiens, je les avais pas vus. Oh, enfin les petits loups. Ils sont pas très beaux, hein. Je suis pas fan. Pousse-toi, s'il te plaît. Je veux casser les torches. Il faudrait pas que je le frappe, le PNJ. Hop. Allez, on va essayer le bouquin. Hein. Il manque pas grand-chose pour le niveau 30. Hein. Et bien sûr, ça veut pas tomber à 29. 27, on a vu. 20. 21. Oh là là. 24. Bon. On va monter au niveau 30, on va... Je sais pas. Il n'y a pas grand chose à faire, on y est presque. Peut-être récupérer la viande, ça va pas suffire, je pense. Ah si, ça suffit. Ok. Tac. Hop, 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 on pose le bouquin. Niveau 30. Et ça nous donne... Délicatesse 1. C'est un enchantement que je ne connais pas. Plus d'infos. Ah, mais j'ai pas le détail de l'enchantement. Je ne connais pas. Salut, tu vas encore faire des vidéos Minecraft? Oui. Tu des cochons. Non, mais c'est bon, ouais, finalement, voilà. J'ai ramassé la viande, ça m'a suffi. Alors, délicatesse, je sais pas à quoi ça sert, mais je crois qu'on en avait parlé par rapport au coffre du Nether, mais là, je dis peut-être une bêtise. Hein. Enfin, non, ça s'appelle comment ça, je sais plus. Coffre de l'Ender? Non, c'est un autre nom, peut-être. Comment ils appellent ça déjà? Coffre de l'Ender, c'est ça. On m'avait dit qu'il fallait main délicate. Donc ça a l'air de correspondre à la délicatesse. Hein. Bon, au pire, je me renseignerai. Alors, il y a Scipio qui me dit bravo pour tes 2000 abonnés. Ah, ça fait un petit moment que je les ai. Bon, ça doit faire 2 semaines. Bah, merci à toi. Petit à petit, ça monte. Ah, je reçois un SMS. Ça doit être Numéricab qui me dit que les problèmes de connexion sont résolus. Mais c'est bon, on l'a déjà remarqué. Alors on va s'habiller en diamant.
Mon casque, il est où? Casque en diamant, s'il vous plaît. C'est ça? Ok. Attends, mais ça s'est vu faire, oui. Oulala, attendez. Non, c'est là le diamant, oulala. C'est bon, hop, voilà. On met le diamant. On range le fer. On a une épée. Qu'est-ce que c'est que ça? Une épée en fer, ouais. Bâton. Je vais peut-être prendre une autre pioche quand même. Pioche, pioche, pioche. Tac. Pelle, hache, torche. Je vais faire des torches aussi. Torche, torche, torche. Putain, mais les PNJ sont pas là d'habitude, hein. Je serais capable de leur mettre un coup là en voulant ouvrir un coffre. 5, ça devrait suffire. Hop. Torche. Non, pas bâton. J'ai dit torche. Si, du coup, il me faut des bâtons. Ouais, j'ai quand même du mal à me repérer immédiatement dans les menus, hein. Avec ce pack. Mais bon, je vais m'y habituer à force. Délicatesse, c'est génial. C'est pour les planches. Les planches? Les pioches? Ah. Oui, mais ça sert à quoi? Ça, je ne sais pas. Alors, attendez, du coup, niveau préparation... bah, il manque plus que les potions. Hein. Niveau armure, on est bon. Potion, il n'y avait rien en cours. Alors, on va prendre de la résistance au feu. x2. Hop. Le bois, pff, je m'en sers pas des masses. Résistance au feu, on va même en prendre 3, histoire d'être bien tranquille. Pareil, les potions de force, du coup, on va prendre les 3. Hop, celle qui dure 8 minutes. Et je veux trouver une tête aujourd'hui. Hein. C'est pas possible. La dernière fois, j'en ai pas trouvé, malheureusement, avec le pack bonbon. On va prendre une potion de soin en plus, on sait jamais. Mais après, tant que j'ai la résistance au feu, en général, ça se passe plutôt bien. C'est dès que je suis à court de potions que ça se complique. Rapidité pour se barrer à la fin. Ça, peut-être en 4 gros pépins. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'en général, je reviens pas blindé. Poison, non. Invisibilité, non. Mais écoutez, on est parti. Hein. Régénération, j'en ai pas vraiment besoin non plus. On gardera ça pour le boss. Je vais peut-être prendre quelques flèches en plus. Est-ce que j'en ai d'avance? Oui. Hop, au pire, je m'en referai. Voilà. Comme ça, on est tranquille. On peut aller chasser sans souci. Alors, on dit... Délicatesse, c'est pour récupérer les blocs comme tu les vois. D'accord, pour la pierre, par exemple. Ouais, mais c'est pas... C'est un peu de l'arnaque, non, pour un enchantement niveau 30. Je trouve que c'est pas terrible. Hop, sors de là, sors de là. On va manger un bout. Hop. Hop, hop, hop. Alors pour ceux qui sont sur le live, hein, je ne lis pas tout forcément tout de suite, mais en fin de vidéo, je prends 5 minutes pour lire vite fait ce qui a été dit. Hop, hop, parce que c'est un peu compliqué de tout suivre et de jouer en même temps. Mais je lis après. Tac, tac. Allez, c'est parti. Le Nether est bizarre. C'est pas du tout les couleurs qu'on voit d'habitude. Alors, là-bas, on a des pygmènes. Enfin, je crois que c'est un pygmène. Ils sont noirs, c'est bizarre. Le ghast. Le ghast est taché. On dirait qu'il est noir avec des taches jaunes. Non, ça, c'est un pygmène, c'est pas un squelette. Bon, bah, comme d'hab, on va descendre par là. Quoique je résiste au feu, donc on peut y aller. Hein. Allez, hop. Ah, c'est un squelette ça, oui. C'est bien, on les one-shot. J'ai pas vu ce qu'il nous a donné en loot. Oula, je suis où là? Hop, ressort de là, s'il te plaît. Ah, on a accès à la forteresse, la mince. J'avais oublié. Os, ok, tu m'as pas donné de tête. Enfin, ton collègue ne m'a pas donné de tête. Toujours pas de tête. Ok, pas de squelette. Non, rien. T'as les pygmen, je les reconnais. C'est pas un pygmen, ça, c'est quoi ça? C'est un pygmen, ça? Putain, mais ça ressemble à rien. Regarde-moi. Arrête de m'esquiver. Ouais, ils sont bizarres. Hein. On dirait des. Limite des humains, en fait. Juste en armure.
Oh, t'as un problème, toi? Hop. On va pas aller de ce côté. Là, c'est des blazes, ça m'intéresse pas. Le nether est pas terrible. Vous en pensez quoi? Je suis un peu d'accord, hein. Je préfère à la limite même le pack bonbon. D'ailleurs, j'ai remarqué que mon enregistrement a un peu mal supporté le pack bonbon. Quand je courais, par exemple, ça faisait un effet flou. Donc trop de couleurs, je pense, d'un coup. Qui c'est qui me tape là? Wow, calmez-vous. Ah, un archer. File. Toi aussi, dégage. Ah. Un wither squelette. Ah, un autre qui m'attaque en fourbe. Bon, ils sont chiants à s'y mettre à plusieurs d'un coup là. Tiens, les squelettes, je les trouve pas terribles non plus, hein, les wither squelettes. Ils sont un peu bizarres. Hop. Ça, c'est quoi? Un petit blaze. Du charbon, des os, rien de plus. C'est génial. Regardez-moi ce rose. C'est bizarre, ça. C'est de la netherrack? On va regarder. Ah! Putain de saloperie! Casse-toi. Putain, ils sont chiants. Ah non, c'est du sable. Sable des âmes. Le sable des âmes est violet. Pourquoi pas? Poudre de glowstone, charbon, bâton de feu. Toujours pas de tête. 1-1-1. Si tu tapes, il te tape. Tous ceux qui sont là. Oui, ça je sais. J'en ai déjà tapé un par accident. Et je me suis déjà fait tuer à cause de ça. Parce qu'il m'en voulait. Il m'en voulait même quand je suis revenu après être mort. Cette saloperie là. Pourtant, j'avais pas fait exprès, hein, mais ils s'en foutaient. Ah, il y en a un là. On va essayer une flèche dans la tête. What? Ça rebondit? On dirait que ça rebondit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va là? T'as un accès? Ah oui, il a un accès. T'en vois rien avec le feu. Hop, c'est bon, on l'a eu. L'expérience par contre. D'accord. Bon, on va les récupérer. Ah si. Mais qu'est-ce qui se passe? L'expérience se balade. Tiens, viens toi. Avant d'aller récupérer ma flèche. Aïe, il m'a touché, bien sûr. Ma flèche, ma flèche, ma flèche. Hop. Blaze, qu'est-ce qu'on a par les Blaze? Hop. Wither squelette, s'il vous plaît. Je veux un crâne. Un petit crâne. Netherrack. Ouais. C'est quoi? Attends, c'est les verrues du Nether qui font cet effet bizarre là? On dirait des algues multicolores. Moi, c'est bizarrement coloré quand même. Oui, c'est ça, c'était bien une verrue. Pareil, ça c'est de la glowstone ça? Hop, à la pioche peut-être. Ah non, c'est du. Ah, du quartz. J'ai rien dit. Bon, bah, du coup, tant qu'on est là, on va en récupérer un peu. Ça fera toujours de l'expérience. Hop. Non, glowstone, on en a vu chez moi, j'en avais. En début de vidéo. Putain, il m'attaque en fourbe, mais manifeste-toi, bordel. Putain. Voilà. Heureusement que j'ai les potions, hein. Parce que je les tue en un coup. Ça fait qu'il peut pas trop m'enchaîner, mais. Ils sont pénibles à m'attaquer là quand je les regarde pas. Allez, il m'a donné encore une épée en pierre, c'est génial. J'adore récupérer du loot tout pourri. Ouh, ils sont assez nombreux là. Ouh là là, ouh là là. Ne me touchez pas. Merci. Putain. Allez, on marche à deux à l'heure sur le sable, c'est chiant. Hop, il n'y en a plus pour le moment. Oh là là. Ça commence à péter. Il y a un ghast qui en a après moi. On va se mettre à l'abri 2 secondes. On va manger un bout. Toujours pas de tête. Bon. Essaye de taper dans leur tête. Oui. Mais disons que j'essaie surtout de les repousser pour pas qu'ils me touchent. Parce que si j'essaie de taper dans leur tête, vu qu'ils sont plus grands que moi, je crois que j'ai une portée moins grande. Et ça leur permet de se rapprocher plus. Donc il y a plus de chances qu'ils me touchent. Mais c'est ce qu'on m'a déjà dit, d'essayer de frapper au niveau de la tête.
Normalement, il y a plus de chances d'obtenir une tête. Et normalement, les chances, c'est 1 sur 40, mais j'ai l'impression que c'est moins que ça. Parce que si on cumule avec la dernière fois, j'en ai tué au moins... Enfin, j'ai pas compté, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça. Ah, il y en a un là-bas. Hop, d'ailleurs, j'ai pas vérifié le timer de mes potions, faut que je fasse gaffe. Bon, j'ai pas visé la tête. Il y a trop de blaze ici, ça m'énerve. Même s'ils me font pas mal. Ils encombrent l'écran, il y a du feu partout. Allez, on va retourner de l'autre côté. J'en vois un dans le fond, je crois, non? Ah, il y en a... Ah non, mais... Les pigmènes, par contre, hein, j'ai du mal à les différencier. Ils ressemblent un peu aux squelettes. Ils sont vachement sombres. Ça, c'est un pigmen, ça. Oh là là. Ça, par contre, c'est pas top, hein, les pigmen dans ce pack. Vas-y, viens. Bon, il va où, lui? Il a rien compris. Je suis là, hein. Je vois plus. T'es où? Il m'attend. Il m'a fait une blague. Il s'est barré? Non, il s'est pas barré. Il s'était caché. Je crois que j'ai plus l'effet des potions. Oh, putain. Faut que je fasse gaffe, là. Hop, 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 hop. Faut que je me mette à l'abri quelque part. Ouais. C'est pas vraiment un abri, ça. Oh, purée. Surtout qu'il y en a un qui me suit. Dégage. Dégage, dégage, dégage. Ah, il y a une tête. C'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Enfin, je crois. On va vérifier, mais normalement, je l'ai. Oui, troisième crâne, c'est bon. J'ai les trois crânes. Hop, on va quand même reprendre des potions pour se barrer tranquillement. Hop, ça, on range, on ressort le soin au cas où. Et on reprend l'épée, c'est parti. Quoi? Il y a de l'espagnol dans le chat. D'accord, pourquoi pas. Tu as déjà envoyé les boules de Ghast sur les Ghast. Oui, j'ai obtenu le trophée il y a un petit moment. Bah ça c'est chiant parce qu'il vise pas tout à fait sur nous en plus. Il vise un peu au-dessus. Et puis enfin bon, c'est un peu compliqué hein, de les toucher. Non, pas par là. C'est un cul-de-sac. Pygmen, on les laisse. On va se faire un peu d'expérience quand même. Hop. Des bâtons de feu, de la poudre de glowstone. Et les pigmen, je vais finir par frapper dedans, hein. Ils ressemblent trop aux squelettes. Au niveau de la couleur... Non, toujours rien. Non, c'est un pigmen encore. Bon. Nico du 026, ok. Ok, ok, bah moi je joue sur PS4, hein. Donc toi tu joues peut-être que sur PS3. Mais là c'est la version PS4 du jeu. Ah j'avais laissé de l'expérience là. Hop. Ah je vois encore un squelette. On m'a tapé dans le dos non? J'ai l'impression qu'on m'a poussé. Pourtant il y avait personne. Ah il m'a touché. Si il y en a un dans le dos là. Ouh. Pourtant il m'avait pas touché. Hein. J'avais pas l'effet Wither. Ah non il y a un archer. Saleté. Putain. Ouh, tu vas me saouler, toi. Voilà, hop. Faut que je récupère un peu de vie. Y'a pas de squelette. Non, c'est bon. Hop. Bon, je suis niveau 15. Je pense qu'on va se barrer. Niveau 16, même. Hop, hop, hop. Ouais, on va pas prendre le risque de crever. Même si j'ai l'effet des potions... Quoique j'ai encore 5 minutes. On va encore farmer 2-3 minutes. Ah, les archers. Arrêtez, là. Non, ça c'est un pigmen. Qu'est-ce qu'il fait le pigmen à sauter, là? Il fait du pogo? Bon. Blaze. Hop, les blaze donnent quand même pas mal d'XP. Hein. Quoi? Putain, mais je les reconnais vraiment pas, hein. Mange, mange, mange. Non, toi t'es un copain. Enfin, t'es un copain. Tant que je te tape pas, en tout cas. Hop. Oh, ils détruisent le sol, là, les Ghast. Qui? Quoi? Chut, y'a un truc qui me frappe, non?
Mais je prends bien des dés. Ah, il y a encore un archer. C'est les archers, là. Je les vois pas. Au milieu des flammes, là. Vous me saoulez, les deux, là. Hop. Quoi, je l'ai pas tué en un coup? C'est quoi, ce délire? Pourtant, je l'ai fait force. Bon, bref. Je sais pas. C'était un peu bizarre, ça. Hop, attendez. J'ai laissé un peu d'expérience. Hop. Hop. Bon, allez, on va se rentrer. Hop, manque un squelette sur la route. Non, allez, c'est bon. Ah, si, il y en a un là. Vas-y, viens. Voilà. Ah, mais il casse tout. C'est chiant. C'est plus praticable maintenant. Hop. On mange une patate. Environ 10. Bon, bah, j'ai pas le temps de tout lire. Je sais pas de quoi vous parlez. On va sortir de là. Et mettre les têtes à l'abri. Alors après, je sais pas comment on invoque le boss. Mais ça sera plus tard. Ça sera pas aujourd'hui. Hein. Enfin, je sais qu'il faut du sable des âmes, je crois. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Allez, allez. Hop. Bon, on a gagné 18 niveaux. On a rapporté un crâne de Wither. C'est pas mal. J'ai dû ramener pas mal de bâtons de feu aussi, 12. Poudre de glowstone. Je vais ramasser hop, la canne à sucre. Ça me permet de récupérer des épées en diamant avec les PNJ. Enfin, avec un PNJ. Toi, je t'avais pas regardé, je crois. Si. T'es un prêtre? Non, bibliothécaire. Fermier. Briquet à silex. Non, merci. Et il y en avait un autre, là. Il est où? Il est parti? Ah non, il est là. Ça, c'est un forgeron. Ok, bon, bah là, ils se baladent, les PNJ. Boucher. Bon, je vais aller poser mon crâne. Hop, alors on me dit, si tu combats le Wither squelette, fais-le spawner loin de ta maison. C'est prévu, on m'a même conseillé peut-être de le faire dans le... Ah. Bah dans... L'Under, oui, là où il y a l'Under Dragon. Après, le problème, c'est qu'il y a des Enderman sur place. Donc, je sais pas si ça rend le combat un peu plus difficile. Mais ouais, on me l'a bien dit, ou même dans une grotte. Parce qu'apparemment, il fait quand même tout péter. Alors, en attendant, je vais enlever mon diamant. Attendez, j'ai trop de bordel sur moi. Netherrack, ça va en bas normalement. Sable des âmes. Un bois, on garde. Hop, ça, on va poser. Netherrack. On va poser tout ce qui est potion également. Alors, les ingrédients. Tac. Glowstone. Ouais, j'en ai beaucoup de ce côté. Hein. Par contre, j'ai pas ramené de crème de magma. Hein. Ça, j'en trouve pas beaucoup. Après, j'ai pas vraiment farmé les blobs. Quartz. Les flacons, enfin les fioles. J'ai tendance à dire flocons. Ça n'a rien à voir. Potion de santé, hop, on garde, on sait jamais. Potion de force. Tac. Hop, je prends le temps de bien ranger mes potions. Rapidité, on s'en est pas servi. Voilà. J'ai oublié de poser les verrues. Mais avant, il se baladait pas comme ça. Sérieusement, il restait tout le temps là-dedans. Là, depuis que j'avais mis les portes, il restait de ce côté. Il venait pas de ce côté de la maison. Ils commencent à prendre leurs aises. Ou alors c'est parce qu'ils sont plus nombreux, peut-être. Bon, on va pas mettre plus de torches pour le moment. Ensuite, qu'est-ce que je range? Le charbon, on va peut-être le mettre dans le four. Ce sera fait. Ah, ils sont tous 64. D'accord. Bon, on va faire une torche. Hop. Et je vais aller poser la Netherrack. D'ailleurs, j'ai pas regardé mon damier au sous-sol, ce que ça donne avec ce pack. Les tableaux sont pas terribles. Hein. C'est moche, ça. Hop, pour la peine, on va le changer. Ouais, une tête d'élan. Ça aussi, c'est pas terrible. Récupère-le, il est où? Hey! Il est là-bas. Ouais, je sais pas ce que ça représente. Et là-haut, une fausse torche, d'accord. C'est tout pourri.
Pose-en un autre. Ah, oh, mais c'est moche, ça. Une fausse porte. Ah, pourquoi ça peut servir, ça, pour faire stylé. Après, faut tomber dessus au bon moment, mais... pour faire des fausses portes. Ça a une cible de tir à l'arc, ouais. Une épée, une hache. Enfin, une espèce de d'étendoir à armes. Hé, mon tableau! Il est là. Une fausse lampe, on a déjà vu ça. Bon, les voilà, c'est comme ça. Ça fait un peu chargé de ce côté. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les portes? Qui c'est qui s'amuse à ouvrir et fermer des portes en boucle? Faut se calmer. Bon, allez, on va aller voir en bas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ça parle de Call of Duty, apparemment. Donc, ça parle pas de moi. Parce que moi, je ne joue pas du tout au FPS. C'est pas mon truc. Pour vaincre le boss, il te faut un arc. Et sa vie remonte au fur et à mesure. Prends une armure en diamant et quand tu le fais apparaître, va très loin. Et ça fait des explosions de 15 cubes minimum. Ok. Ça, c'est quoi? Bois. Ah, j'ai gardé les os sur moi. On va les ranger. Ouh. J'ai loupé l'escalier. Hop, 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 hop. J'aime pas me balader avec plein de bordel sur moi. J'ai pas trop regardé les petits chats. On va aller les voir. Quartz. Je le mets de ce côté, je crois, plutôt. Hop. Pioche. Finalement, j'en avais pas besoin. Épée en pierre. Oh, l'épée en pierre. Hein. Ça manquait qu'une plus qu'autre chose. Hop, on va les remettre tout ça ensemble. Voilà. Idem, j'ai récupéré un arc. Hop, je vais me faire un arc réparé. Je vais tous les combiner pour que ça prenne moins de place. Bon. Hop. Tac, tac. Bon. Les petits chats. Oula, j'ai failli te frapper là, le PNJ. Oh, je les aime bien les petits chats. Ils sont mignons avec leurs petits yeux. Alors normalement, il y a plusieurs couleurs de chats. Je crois que là-bas, il est orange. C'est un chat roux. Un petit chat roux. Bon, les chats sont mimi. Les loups, je suis pas fan, mais les chats, ça va. Hop. Touk, touk, touk. Non, non. Ça sert à rien de spammer. Je ferai pas le wizard dans ce live. Je ferai un live exprès. Ce sera pas fait aujourd'hui. Niveau bouffe, c'est bon. Par contre, je vais commencer à voir si niveau préparatif, c'est bon. Mais en théorie, hein, ça ira. Parce que j'ai tout ce qu'il faut en diamant. J'ai une armure complète. J'ai un arc... pas trop mal. Je sais pas s'il craint le feu. L'épée en diamant, je suis pas sûr que ce soit très utile contre lui, on verra. Faudra que je me fasse un peu plus de flèches, je pense, parce que j'en ai pas des masses. Je sais même plus si j'ai beaucoup de silex. Les silex, ça ressemble à quoi avec ce pack? Silex. Silex. Ça ressemble à rien. C'est où? Je trouve pas. Boule de slim. Poudre à canon. Oh là là. Bon, j'ai des plumes. Pourquoi j'ai du charbon là? Attends. Hey, je trouve pas les silex. J'en ai bien normalement. Ah, c'est ça. 27. Ok. Donc j'ai moyen de me faire pas mal de flèches. Tac. Alors, du coup, bah là, en fin de vidéo, je sais pas trop ce que je vais faire, finalement. Est-ce qu'il va faire nuit pour que j'aille farmer? Ouais. Je vais peut-être enchanter ma pioche, ce sera fait. Tac, on va prendre un enchant niveau 5, allez. On va croiser les doigts. Putain, efficacité... L'arnaque. 5 niveaux pour ça, quoi. Bon. Par contre, là, je vais aller farmer un peu les monstres de base, donc je vais peut-être... Ah oui, mon plastron en diamant commence à être bien abîmé. Oulala ! On va enlever ça tout de suite, on le garde pour le boss. Hein. Idem pour l'épée en diamant. Hop.
Donc on range le diamant, on va mettre tout ça de côté. Hop. Ouais, le plastron, il a pris cher, hein. Oulala. Hop, on ressort tout ce qu'il y a en fer. Hop, faudra que je pense à changer le casque rapidement. Hop, je vais sortir l'épée qui a aura de feu. Tac, une épée normale. Attends, épée en diamant, tu la ranges, s'il te plaît. Elle est partie où, mon épée en fer? Elle est là. Tac. Je vais enchanter la deuxième épée en fer. On va peut-être tenter un enchantement niveau 10, voir ce que ça donne. Ou niveau 11, tiens, allez, on tente. Fléau des atropodes. Je ne sais plus ce que c'est, atropodes. Non, ça me dit rien. Est-ce que tu fais des dédits à tes amis sur la play? Non, j'évite de faire les dédits parce que je... Parce que la dernière fois... Enfin, il y a deux vidéos, j'en ai fait deux. Et après, j'ai reçu pas mal de demandes, donc je préfère éviter. Parce qu'après, je considère ça un petit peu comme du spam au final. Donc je préfère éviter les dédicaces. Après voilà, quand les gens participent régulièrement, comme par exemple Scipio, hop, il me suit depuis pas mal de temps, donc voilà, quand il passe, je dis son pseudo, donc voilà. Je préfère plutôt dire le nom des gens qui sont là régulièrement. Je trouve ça plus sympa que juste faire des dédits comme ça. Oh putain, attendez, wow, 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 on se calme. Salut, je m'en vais, demi-tour. Putain, roi de feu, ça sert à rien dans l'eau, là. Qu'est-ce qu'il veut? Putain. Putain, c'est surtout les creepers, là. Putain, mais roi de feu, ça me sert à rien, ils sont dans l'eau. Voilà, fais tout péter, c'est bien. Hop, allez, on y retourne. Hop, hop, hop. Tac. Des zombies, on va se faire des zombies. C'est pas très dangereux, les zombies. Sauf quand le jeu lag. Merci. Oh, mais pourquoi il tape pas, là? Oh, putain. Ouh, potion, potion. Mon dieu, je vais crever. Et j'ai perdu mon casque. Casque, casque, casque. Il y a un creeper qui m'a surpris, là. Ouh, Enderman. Alors, attendez, on va le laisser tranquille pour le moment. Ah, coucou, ils peuvent pas monter, là? Ah, bon, on va les laisser. Ah, je crois que lui, faut pas les taper avec aura de feu, sinon il se téléporte à l'infini. On va le faire quand même. Non? On le voit plus se téléporter? D'accord. Enfin, on m'a expliqué, normalement il se téléporte à l'infini jusqu'à ce qu'il meure des flammes ou qu'il s'éteigne. Mais du coup, en théorie, on ne les revoit plus. Hop, aïe, aïe, aïe. Je prends feu moi-même, c'est très pratique. Hop, attendez, ok, ça parle d'autre chose. Hop. Tac, j'aimerais bien voir quand même une sorcière. Juste voir la tête qu'elle a. Après, je m'en approcherai pas beaucoup. Je préfère les faire à l'arc, les sorcières. Parce qu'elles sont vraiment pénibles avec les potions. Mais souvent, les sorcières sont plutôt par là-bas. Alors, je sais pas si c'est un hasard, mais bon. Je l'ai déjà constaté plusieurs fois. Allez, une petite sorcière pour finir. Des archers, non, ça m'intéresse pas. Hop, j'ai vu qu'il y a une araignée, on s'en fout. Hop, hop. Sorcière, où êtes-vous, les vilaines sorcières? Hop, oh, tiens, il pleut de ce côté. Hop. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Creeper. Araignée. Je veux voir une sorcière, s'il vous plaît. Phil. Dégage. Ouh, je pensais qu'il allait crever. Mince, c'est pour ça que je me suis pas éloigné immédiatement. Oh, il y a trop de creepers là, oh là là, ça me saoule. Là. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi,
c'est l'accès à l'Ender. Tant que je suis là, je vais ramasser un peu de canne à sucre. Ça me servira pour récupérer des épées en diamant. Bah du coup, je suis en train de me dire, les épées en diamant, je peux m'en servir tout le temps. Hein. Vu qu'il me suffit d'avoir, je crois que c'est 33 papiers. Enfin, 33 feuilles pour avoir une épée en diamant. C'est pas très contraignant à récupérer, donc je pense que je vais passer aux épées exclusivement en diamant maintenant. Ça, c'est quoi, ça? C'est un zombie ou une... Ouais, c'est un zombie. Un pauvre zombie basique. Bon, cassez-vous, là, j'ai besoin de manger. Enfin, en même temps, c'est moi qui viens vous chercher. Mais... Putain, je me fous le feu à moi-même, quoi. Quoi, t'as un problème, toi? D'accord, le mec qui sait pas tirer à l'arc. Ah d'accord, il est mort avant que je tire ma deuxième flèche. Hop, on récupère tout ça. Et on dégage. D'accord, c'est un archer. Ça commence à se traiter sur le live. Ah bah ouais, mais je lis pas tout, surtout que là je suis en mode combat. Bah c'est pas cool, hein. Parce qu'après, si les lives, ça commence vraiment à partir trop en sucette, je vais arrêter tout simplement. Et je me contenterai des vidéos basiques. Et puis c'est tout. Moi, je cherche une sorcière, là, tout de suite. Ou alors j'ai mal compris le message. Bon, bref. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, en fin de vidéo, je refais le tour des commentaires. Donc je verrai. Parce que moi, je peux pas modérer en jouant. Ça, c'est impossible. Bon, y a pas ce que je cherche. Alors, attendez. Là, je suis en train de me perdre. Non, on va revenir vers mon accès à l'Ender. Bah, d'habitude, c'est par là que je trouve des sorcières. Hein. Mais apparemment... pas aujourd'hui. Ou attendez d'abord, hop, on ressort la potion de soin, on sait jamais. Non, qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, il va faire jour. Zombie? Crame, zombie. Crame, 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 crame. Bon, bah écoutez, on n'aura pas vu de sorcière. Je suis déçu. Déçu, déçu. Les sorcières spawnent dans le marais. Non, non, mais dans le désert, j'en ai déjà vu au moins 3. Hein. Et d'ailleurs, j'en avais cherché dans le marais, et j'en ai pas trouvé. Alors c'est peut-être parce que j'étais encore en facile à l'époque, donc il y a peut-être pas de sorcières en facile. Mais dans ce côté-là, j'en ai déjà trouvé plusieurs. Hein. Vers les deux petites tours, là où j'ai mis des torches au sommet. J'en ai déjà croisé. Hop. Par contre, bon, ici, là, je sais plus ce que c'était. Ça devait être une caverne intéressante. Ça, je m'en rappelle pas. Hop, allez, on sort. Hop, 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 du désert. De toute façon, je vais pas tarder à vous laisser. Parce que là, j'ai plus grand chose à faire. Même au niveau préparatif, on est plutôt pas mal. Hop. Donc je vais pas tarder à m'attaquer. Oh, Wither, le boss. Alors après, il faut que je trouve un endroit pour l'invoquer. Mais ça me fait un peu peur, hein, de l'invoquer dans l'Ender, parce que c'est pas à côté, il y a des Enderman sur place. Donc c'est un petit peu chiant. Ou alors j'essaie de trouver une grande plaine un peu éloignée, puis c'est bon. Hein. Ça devrait le faire. Hop. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Hop, j'ai rempli mon objectif du jour. On a récupéré le troisième crâne. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour le dernier boss. On va récupérer la canne à sucre. Tac, ça me servira. Tac. Donc du coup, bah je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis bah à la prochaine pour la suite. Salut !